Et à vous toutes, fidèles de Canal 10, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour la métropole. Eh bien, soyez la bienvenue dans cette émission qui est votre émission. Vous savez, nous avons rendez-vous tous les samedis à 10h pour partager ensemble beaucoup de choses sur le bien-être et sur la santé. Tous les samedis à 10h, eh bien, je vous donne rendez-vous pour connaître et pour aussi connaître et apprendre nos plantes médicinales. Aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui nous allons parler du coco. Vous connaissez bien la noix de coco, on l'utilise tout le jour, on boit l'eau de coco, mais également, quand vous allez dans les supermarchés, parfois vous achetez du lait de coco pour pouvoir faire certains plats cuisinés également avec le lait de coco. Mais est-ce que vous savez le fabriquer, le lait de coco? Eh bien, nous allons parler de cela aujourd'hui. Comment faire fabriquer du lait de coco? C'est de cela que nous allons parler. Alors, avant de commencer cette émission, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui m'appellent et puis qui m'écrivent et puis également tous ceux qui sont fidèles sur Facebook, ma page où on partage également beaucoup de choses. Et je voudrais dire aujourd'hui, eh bien, j'ai deux choses à vous dire. Vous savez que l'émission est en direct et que vous pouvez m'appeler au 06 90 96 10 10. C'est du direct. C'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, je fais une journée de dédicace à la librairie antillaise à Destreland. Oui, parce que pour mon dernier livre, eh bien, aujourd'hui, je suis disponible. C'est peut-être l'occasion pour vous de me rencontrer, de me demander conseil ou de partager avec moi vos petits bobos. Eh bien, je vous donne rendez-vous à la librairie antillaise à partir de 15h. Je suis là pour faire des signatures pour mon livre « Maigrir par la naturopathie ». Et puis la troisième chose, aujourd'hui, à travers cette émission, je voulais vous faire un petit cadeau, c'est-à-dire que tous ceux qui vont m'appeler dans cette émission et tous ceux qui s'intéressent à cette émission, eh bien, gratuitement, il vous sera offert comme cela un petit recueil sur les compléments alimentaires. Et ça va vous parler de quelques plantes et comment vous soignez bien en utilisant les compléments alimentaires. Hein. C'est un laboratoire pharmaceutique qui fabrique ces produits-là. Et donc, ce sera l'occasion pour vous de le connaître davantage à travers nos émissions et ce que je vous présente. Donc, ce petit bouquet, il vous sera donné gratuitement sur votre appel. Et il suffira après de venir le chercher sur Canal 10. Eh bien, aujourd'hui, on parle du noix de coco. Ben, la noix de coco, vous savez, est-ce que vous le savez, souvent, parfois c'est un peu méconnu, mais c'est bon pour l'hypertension, pour les gens qui font de l'hypertension. Alors, ça fait partie des huiles, des lipides, on appelle des lipides, hein, tous les huiles que nous utilisons dans notre alimentation. Et aujourd'hui, on va parler du noix de coco et des lipides. Pourquoi? Parce que je peux dire que c'est un peu un drame aussi dans notre époque que les huiles que nous consommons pour faire nos aliments, eh bien, ils sont totalement dénaturés. Ce sont des huiles qui sont chauffées à de très hautes températures. Ce sont des huiles où on utilise des solvants pour pouvoir les rendre la couleur que vous avez. Et ces huiles-là que nous utilisons, non seulement ça ne vous apporte rien, il n'y a plus les éléments nutritifs dedans, mais certaines huiles arrivent à être cancérigènes à force d'en utiliser. Et donc, ça dérape vers du cholestérol, ça dérape vers du triglycéride, ça dérape vraiment vers des problèmes de santé. Parce que ce sont des huiles, au lieu de nous faire du bien, eh bien, ils nous font du tort. Eh bien, nous allons parler de ces huiles-là. Alors, c'est encore plus dramatique quand, par exemple, vous faites des fritures avec ces huiles qui sont déjà, des huiles qui sont déjà dénaturées, qui n'apportent plus rien sur le plan nutritif, mais ces huiles industrielles sont également apport en cholestérol, et quand vous avez une santé fragile, eh bien, ces huiles vont vous faire beaucoup plus de tort que de bien.
Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut faire une cuisine sans huile? Non, les huiles sont essentielles pour nous, nous en avons besoin, nos cellules en ont besoin, notre organisme, il en faut parce qu'ils apportent aussi des éléments nutritifs qui nous permettent d'être en bonne santé. Mais pour utiliser ces huiles, eh bien, il faut être vigilant, il faut lire les étiquettes, il faut regarder, prendre des huiles qui vous apportent, d'abord des huiles qui soient à pression froide. C'est-à-dire des huiles qui n'ont pas été chauffées. Hein. On a pris, par exemple, si vous prenez l'exemple de l'huile d'olive, par exemple, si on connaît, tout le monde le connaît, eh bien, il faut le choisir, il faut regarder sous l'étiquette qu'il soit pressé à froid et qu'il soit bio de préférence. Et ça, ce sont ces huiles-là vont vous apporter vraiment des éléments nutritifs. Et puis, il faut que ces huiles soient aussi des huiles qui vous apportent, par exemple, des oméga-3. Vous savez, les oméga-3, c'est tellement essentiel pour nos cellules. C'est ce qui va combattre ce qu'on appelle les radicaux libres, qui va empêcher la cellule de se gangréner et de déraper vers la maladie ou le cancer. Eh bien, ces huiles, c'est hyper important. Donc, dans vos aliments, il faut avoir ces huiles. Pas l'huile que vous achetez, qui sont transparents et qui n'apportent rien, mais vraiment que ces huiles soient nutritives. Alors, en général, quand vous choisissez ces huiles, il faut choisir dans des bouteilles opaques comme ça, vous voyez. Et il faut que ces huiles, vous le constatez, que vous voyez sous les étiquettes, c'est marqué riche en oméga 3, contient également des oméga 6. En première pression à froid, c'est surtout ce qui est important quand vous achetez vos huiles. Première pression à froid. Et puis, ce sont des huiles vierges, c'est-à-dire qui n'ont pas été transformées, qui n'ont pas été dénaturées. Et en plus de ça, eh bien, pour vous garantir que ces huiles-là vont vous apporter réellement quelque chose, eh bien, il y a un label bio au-dessous. Et donc, c'est très important, je le dis, je le redis, c'est vraiment hyper important, le choix de vos huiles, parce que le choix de vos huiles vont vous permettre de vivre bien longtemps, vont permettre à vos artères d'être de bonne qualité et surtout ils vont apporter des éléments nutritifs à vos cellules. Voilà les huiles. Alors, par exemple, pour les gens, je donne un exemple très simple. Par exemple, pour les gens qui sont hyper tendus, eh bien, ces gens-là, pour eux tous, eh bien, ils vont choisir une huile, justement, qui a un bon oméga. Et puis, dedans, ils vont mettre à tremper, à macérer de l'ail. Pour les hypertendus, par exemple, de l'huile d'olive, vous voyez, moi, j'ai toujours dans ma petite pharmacie, parce que c'est toujours ce que je dis à chaque émission, construire votre petite pharmacie. Alors, quand vous regardez cette émission, eh bien, il faut avoir de quoi écrire, prendre des notes et avoir vous-même vos petites pharmacies à côté à la maison pour que vous pouvez soigner vos enfants vous-même, que vous pouvez soigner votre mari, tout votre entourage. Voilà. Alors, dans les huiles que je viens de parler, eh bien, vous avez, par exemple, les huiles pour les gens qui font de l'hypertension. Eh bien, ils vont mettre de l'ail macéré dedans comme ça. Vous voyez, moi, j'ai... Même si vous ne faites pas d'hypertension, mais disons que l'ail, non seulement c'est un puissant médicament antibactérien, il va renforcer votre système immunitaire, et puis l'ail va, on le sait, il va combattre également les parasites, les vers, et puis également l'ail va vous permettre surtout agir au niveau de la circulation. Donc l'ail, vraiment, c'est un super médicament, vraiment un super médicament. Donc ça, vous pouvez avoir ça chez vous. Et je vous assure, j'en ai fait l'expérience, hein, au lieu, par exemple, dans vos aliments, eh bien, mettre quelques gouttes d'huile d'ail sur vos aliments, sur vos salades, vous allez voir, non seulement ça donne un goût vraiment extraordinaire, légèrement un petit peu pimenté, mais léger, ce style qui est supportable. Et pour les gens justement qui souffrent de l'estomac et qui ne peuvent pas consommer l'ail pas trop pur parce que ça risque de donner des brûlures, eh bien l'ail macéré dans de l'huile, eh bien ça s'assimile très très bien. Alors c'est un conseil que je vous donne chez vous, prenez un petit bocal comme ça, prenez quelques gousses d'ail, vous mettrez dans de l'huile d'olive,
ou de l'huile de colza. Et vous allez en prendre une petite cuillerée à café dans vos repas tous les jours. Eh bien, pour vous qui, si vous faites de l'hypertension, ça vous protège. Et si vous êtes, vous avez des problèmes cardiovasculaires, c'est le médicament pour les gens qui ont des problèmes de circulation. Voilà la première chose qu'on peut faire avec l'huile, des macérations. On peut macérer des plantes dans de l'huile et là, on a une. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'huile? Eh bien, on peut également participer dans nos plats culinaires. Nous allons prendre un premier appel. Oui, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Alors, l'huile pour la goutte, qu'est-ce oui. qu'on peut prendre? Oui, alors vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît. Violaine. Violaine, oui, vous m'appelez d'où? De Fort-de-France. Oui, eh bien, soyez la bienvenue. Oui, soyez la bienvenue. Alors, vous me disiez? Pour la goutte, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, pour la goutte, vous avez une plante qui est extraordinaire pour la goutte. C'est l'orthosiphon. Vous connaissez un peu l'orthosiphon? Allô? Alors, oui. Il me parlait. Oui, alors je vous disais. La goutte. Oui, la goutte, c'est l'excès d'acide urique qui vous donne la goutte. Oui. C'est quand vous mangez trop de produits acides comme la viande, le café, le pain, quand vous consommez trop de fromage, c'est des choses que vous aimez. Oui. Voilà, c'est ça qui vous donne la goutte. Alors moi, je vous propose une chose, et vous allez voir, tout de suite, ça va régler votre problème. Oui. Une semaine, sans aucun aliment acide. C'est-à-dire, pendant une semaine, vous n'allez pas manger de viande. Oui. Vous n'allez pas prendre de café, vous n'allez pas manger de pain, vous n'allez manger que des légumes vapeur. Et vous allez constater que vous avez réglé votre problème de goutte. Ah, d'accord. Et puis avec, eh bien, vous avez quelques plantes de chez nous, des plantes comme l'orthosiphon que vous pouvez prendre, qu'on appelle souvent babinchat. Vous avez également... Babinchat. Enfin, oui. Peut-être qu'en Martinique, on appelle ça autrement. Mais oui. En fait, l'orthosiphon, vous le trouvez en pharmacie facilement, en magasin diététique. Oui. Et puis vous avez aussi, vous savez, les cheveux de maïs. Cheveux de maïs, ça c'est très très bon pour la goutte, avec de l'ortie également, c'est très bon pour la goutte. Mm-hmm. C'est pour... Et on fait une tisane alors? Voilà, en infusion. En infusion, vous faites ça. Et puis je viens de présenter de l'huile d'ail. Vous pouvez acheter de l'huile de bonne qualité, de première pression à froid. Vous mettez de l'ail dedans, vous le laissez macérer minimum une semaine. Et vous mettez tous les jours dans votre aliment pour améliorer la qualité circulatoire. Dans l'aliment, oui, d'accord. Voyez, voilà. Alors, oui. Mais vous savez, j'ai appelé à des numéros la semaine dernière. On m'a dit que le magasin n'existe plus. Ah ben, vous savez, déjà, première chose, vous savez que moi, je suis à la retraite. Donc, je suis plus au magasin. Je suis plus dans ce magasin. Mais vous pouvez laisser votre téléphone et vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Ah, d'accord. Je me donne plus dans des émissions comme ça pour vous aider. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, faites ce que je vous ai dit, et puis vous pouvez m'appeler pour pouvoir avoir plus d'informations. D'accord, hein? D'accord. Alors, on vous appelle tous les jours, là. N'importe quel jour. Oui, vous pouvez m'appeler, hein. Il vous suffit de donner. Le numéro qui était affiché, là, 0590. Non, vous donnez votre numéro au technicien qui va vous donner mon numéro. Ah, d'accord. OK. Alors, je vous fais cadeau un petit livret comme ça. Ah, mais vous êtes à Fort-de-France. Non, je suis à Fort-de-France, oui. Ouais, ça va être compliqué. Bon. Oui, je ne sais pas comment je peux faire, non. Donc, oui. Peut-être que quand je vais venir en Guadeloupe, je vais vous appeler. D'accord. Hein? Ah, vous serez là. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Eh bien, à très bientôt. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, au revoir. Alors, l'huile de coco, puisque c'est de cela que nous allons parler, fait partie des huiles qu'on dit saturées. C'est-à-dire, ce sont des huiles
qui, vous savez, plusieurs catégories d'huiles. Et ces huiles-là, ce n'est pas l'idéal, par exemple, pour on va l'utiliser surtout dans la pâtisserie, on va l'utiliser surtout dans certains types de cuisson, on va l'utiliser beaucoup dans d'autres choses. Et c'est une huile également, vous allez le constater, que quand vous l'utilisez, eh bien, à certains moments, il va devenir très, très gras. C'est une huile qui est très chargée en lipides. Par exemple, pour vous donner, pour les gens qui sont en régime, par exemple, ce n'est pas toujours la bonne huile qu'il faut utiliser. Par exemple, vous avez pour 180 calories, pour 100 millilitres d'huile de coco. Alors, voilà à peu près comment... Alors, le lait de coco, oui, quand vous le mettez au frigidaire, vous allez constater que ce lait de coco, il va avoir à la surface une partie très grasse. Et c'est à partir de cette partie-là que vous pouvez réduire un petit peu du gras. Parce que ce gras que vous trouvez en haut du lait de coco, vous l'utilisez pour en faire de l'huile de coco. Vous voyez, c'est très facile pour faire de l'huile de coco. Hein. Une fois que vous avez fait votre lait de coco, vous l'avez laissé au frigidaire, le laisser bien au frigidaire, même une bonne semaine au frigidaire, vous aurez toute la graisse de l'huile de coco qui va monter à la surface. Eh bien, vous le prenez et vous allez simplement le chauffer un peu pour que vous puissiez avoir de l'huile. C'est très simple. Alors, si vous êtes en régime, bien sûr, n'en abusez pas du lait de coco, pas trop. Voilà. Donc, c'est la première chose. Le lait de coco. Donc, c'est un produit, c'est une plante qui est très chargée en fer. Oui, on va le prendre pour des anémies, pour des trucs comme cela. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Oui, j'appelle de la Martinique. Oui, ben, soyez la bienvenue sur Canal 10. Merci, je vous ai appelé la semaine dernière. C'est pour juste demander votre livre. Il n'est pas vendu en Martinique. Oui, vous allez le trouver à la Galeria. Ah, dans la librairie. La librairie, voilà. Alors, qu'est-ce que je demande? Eh bien, le livre « Maigrir par la naturopathie ». Ah, d'accord. Voilà. Mais toutes les... Je vous ai appelé aussi, je vous ai demandé pour la diabète. C'est là-dedans, si c'est compris là-dedans. Ah oui, vous allez trouver des plantes qui sont vraiment chez nous. Nous avons vraiment des plantes qui sont très, très bien pour le diabète. Et l'une des plantes, c'est la cannelle. Hein. Vous savez ça, que c'est très bon pour le diabète. Ah, d'accord. Ouais. Ah, la galerie, le brillantiel. D'accord. Oui. Voilà. Mm. C'est ce que je voulais savoir. D'accord. Eh bien, à bientôt. Merci. Voilà. Allez, voir. Au revoir. Alors, il y a dans le noix de coco, vous avez beaucoup de fer, vous avez du potassium, vous avez du phosphore, vous avez du manganèse. Et puis, c'est un aliment également qui est riche en fibres, et donc contre la constipation, et que ça a aussi un effet de coupe-faim. Alors, ce que le noix de coco aussi, il est très reminéralisant. Et pour les végétariens, pour les véganes, pour tous ces gens-là, eh bien, c'est l'aliment idéal pour faire des préparations alimentaires. Et puis c'est un aliment qui contient aussi beaucoup d'eau, et qui maintient l'équilibre acido-basique du corps. Parce que vous savez, votre corps, par exemple la dame qui vient de m'appeler, qui a de la goutte, c'est parce que son corps est trop acide. C'est l'excès d'acide urique qui crée la goutte, les rhumatismes, l'arthrose, les maladies inflammatoires. Donc le lait de coco aussi, ça fait partie des aliments qui va aider dans une alimentation moins acide. Le lait de coco aussi va renforcer notre système immunitaire. C'est pour toutes ces raisons que nous allons utiliser le lait de coco hein, dans nos aliments. Et puis, si nous pouvons prendre l'huile de coco, eh bien, nous allons l'utiliser en cosmétique, parce que vous savez bien que si vous voulez avoir de beaux cheveux, eh bien, l'idéal, c'est de faire des compositions d'huile de coco, par exemple, avec des huiles essentielles. Alors, le lait de coco, je reviens un peu sur le lait de coco, je reviens de sujet à l'autre. Le lait de coco, vous allez également le matin au petit déjeuner l'utiliser avec de la vanille, avec de la cannelle. Et vous allez l'utiliser également, le lait de coco, dans le petit déjeuner. Vous allez faire avec votre un peu d'avoine, par exemple, pour faire un mélange le matin. Bonjour. Oui.
Bonjour, monsieur. Voilà, je téléphone de Paris. Oui. Je suis en train de regarder l'émission de monsieur Vincent. Oui. Et j'aimerais bien le contacter. Est-ce que vous pouvez me donner son numéro de téléphone, s'il vous plaît? Ben, je suis là en face de vous. Vous me regardez sur votre petit écran. Je suis bien content. Je ne peux pas vous voir, mais vous pouvez me voir. Voilà. Voilà. Eh ben, votre prénom? Mon prénom, c'est Nicole. Nicole, oui. Alors, il fait beau à Paris? Oui, je suis à Paris et puis je suis en train de regarder. Et ça m'intéresse. J'aimerais bien avoir votre numéro de téléphone si pour recevoir les produits, comment il faut faire, s'il vous plaît. Oui, alors vous laissez votre téléphone au technicien et puis moi, je vais vous rappeler et je vais vous envoyer un petit cadeau. D'accord. Bon, okay. Mais je vous remercie beaucoup. Voilà. C'est très intéressant, hein, l'émission. Merci beaucoup. Oui. Au revoir, monsieur. À très bientôt. Voilà, au revoir. Au revoir. Donc, aujourd'hui, nous parlons du coco. Hein, du lait de coco. Alors, comment doit-on faire pour utiliser le lait de coco? Alors, d'abord, en cuisine, il faut avoir 250 g de noix de coco râpées, 1 litre d'eau chaude, et avec tout ça, nous allons faire le lait de coco. Mais avant, nous allons avoir un petit moment de pub, et je vous retrouve avec la recette du lait de coco. Aujourd'hui, je veux vous parler du coco. Vous connaissez le coco, nous le retrouvons dans toutes nos recettes de cuisine. Et puis, le coco a énormément de vertus, c'est pourquoi j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. Alors, surtout le lait de coco. Alors, on entend parler comment on fait du lait de coco. Ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Nous allons faire du lait de coco. Alors, pour faire du lait de coco, on commence d'abord par avoir coco, ensuite de l'eau, voilà tout simplement, et nous allons mettre le coco en petits morceaux que nous allons mettre dans un mixeur, voilà, nous mettons dedans, alors tout dépend de la quantité que vous voulez faire, nous allons mettre notre coco dedans. Voilà. Ok. Ensuite, nous allons ajouter de l'eau. Voilà. Nous allons bien fermer. Voilà. Nous allons le mixer et nous allons mixer 2 minutes. Voilà, nous avons mixé notre coco et nous avons maintenant notre lait que nous allons filtrer. Alors, on va d'abord le verser dedans. Alors, on peut voir la texture. Voilà, donc on va le verser dedans, notre lait, pas trop vite, voilà, nous allons prendre notre tissu, et nous allons filtrer notre lait. Voilà.
pantalon, tirez le maximum de lait. D'accord. Et voilà. Donc notre lait de coco, il est terminé. Voilà. Le lait de coco. Alors, très important, nous allons laisser le lait reposer et le mettre au frigidaire. On ne va pas utiliser le lait de coco tout de suite. Nous le mettons au frigidaire et c'est après un petit moment au frigidaire que nous pourrons utiliser le lait de coco. Alors, je vais vous expliquer plein de recettes avec ce lait de coco. Vous pouvez faire aussi l'huile de coco avec ce même lait, l'huile de coco, qui suffit simplement de le laisser au frigidaire. Donc, vous aurez toute la partie grasse qui va monter à la surface que vous pouvez recueillir et en faire de l'huile de coco bio avec. Vous voyez comment vous pouvez faire du lait de coco sans avoir acheté du lait de coco qui parfois est frelaté, c'est-à-dire il y a des ingrédients dedans, ce n'est pas pur ou il y a trop d'eau. Là, vous le faites chez vous, ça ne vous prend même pas 5-10 minutes et vous avez un lait de coco que vous pouvez réutiliser dans vos cuisines, dans vos recettes et au petit déjeuner le matin avec, par exemple, le lait de coco avec de la vanille. Vous mettez un peu de vanille dedans et surtout, pour ceux qui sont diabétiques, ils vous mettent dans le lait de coco un peu de la cannelle et vous allez avoir un lait de coco très savoureux. Vous pouvez mettre un peu de chocolat si vous préférez et des fruits secs. Et bien, vous avez un petit déjeuner exceptionnel. Bonjour à tous, je m'appelle Henri Vincent Périan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.